Nous voici donc dans le test, le nouveau test du jeu Prop Night, qui est un DBD-like à mi-chemin entre Garry's Mod et aussi Dead by Daylight. On incarne l'un des quatre survivants dans un jeu avec des codes de slasher. On récupère des points, on doit réparer des moteurs, on peut fermer des portes dans des courses-poursuites ou des barrières. Les points ici nous permettent d'accéder à des coffres et qui nous donnent du loot, comme par exemple un medikit que j'ai avec moi. On doit réparer des moteurs pour rétablir le courant pour accéder à l'extérieur. Et particularité ultime du jeu, à part ces éléments qui font certes penser à Dead by Daylight, notamment là le QTE, qui s'active et qui est prévenu, hein, avec un élément de réussite critique qui à la fin et pas au début par rapport à Dead by Daylight. Oh mince, on va bouger, on va pas rester là. Hein. Ça c'est l'équivalent des crochets où on est suspendu une fois que le tueur nous a mis au sol. Eh bien, on peut se cacher en objet. De cette manière, on peut se cacher comme n'importe quel objet à la vue du tueur, finalement. Ce qui est hyper stylax. Et, en vérité, le tueur aussi peut se cacher. Alors, je trouve qu'il y a, pour l'instant, un petit déséquilibre dans le jeu, notamment, je pense à cet aspect de camp. Il y a le camping ou le tunnel, peu importe, qui est assez prégnant dans le jeu par rapport à Dead by Daylight. Donc c'est quelque chose qui peut être corrigé, hein, qui peut être ajusté avec un léger avantage pour les survivants, mais ça, c'est un poil plus punitif que Dead by Daylight. Même si je suis très charmé par clairement le graphisme, ça me fait penser à, au succès qu'il y a eu sur Last Year, Nightmare, avec ses particularités, ses avantages, ses défauts, sa répétitivité. Ok. Il se cache. Nous sommes un épi de maïs. Oui, alors. On a gagné des minutes. D'accord. Et donc, petite autre particularité, c'est que on a Super épi va réparer la machine. Je sais pas si quelqu'un va l'aider, mais... Ouais, il se cache, il campe, vous voyez. Il se transforme en objet à côté du survivant. Il attend que quelqu'un vienne l'aider. Vous voyez, il l'attend là. Je ne sais pas si c'est... Si son aura apparaît. De manière normale autour du survivant qui est suspendu. Si c'est le cas, c'est bien trouvé. Parce que ça nous donne une indication sur où se trouve le tueur. Et ça permet aussi de motiver les survivants et bien à réparer le moteur. Voilà. Très bien. Allez, on répare le moteur. Il y a une ou deux subtilités, vraiment pas inintéressantes. Sur le jeu, on peut se transformer en lapinou. Ah non, c'est pas un lapinou, ça. Je suis pas un lapinou. Ou alors je suis super lapinou. Oh là. Super lapinou et super épi. Non! C'était pas super épi! Nom d'un cul! Aïe aïe! Ah, il... Oh non! Ils ont déjà utilisé le... Quoi? Non, c'est pas utilisé. Oh non! Super épi était en fait un super traître! C'est dégueulasse! Tu vas avoir le temps ou pas? Non? Allez, allez, allez! Oui! Ah, c'est beau, ça! Oh!
Blue Eagle qui m'a sauvé la vie. Oh yes. La porte est fermée. Il pouvait bousiller la porte. Hein. Donc je vais réouvrir la porte. Je vais réouvrir la porte pour que ça serve aussi de protection à quelqu'un d'autre ou à moi-même. Si on a besoin. Ok. Allez. Le tueur est là. Ah non. Ok, on a réparé un quatrième moteur. C'est un peu compliqué cette histoire. Hein. J'ai l'impression qu'il campe quand même. Hein. Si? Je vais me soigner. Grâce à mon loot, à mon medikit. Parce que les points de vie, c'est ce qui nous couche au sol. Ou pas, à force de nous. Taper avec l'arme principale. Bon. On va voir si on peut faire quelque chose. Ok. Objet, objet. Non, non, non. Il a cru que j'étais l'autre. Il a cru que j'étais l'autre. Ok. Tout va bien. Tout va bien. Je suis un énorme tas de foin. Je suis super foin. Je suis un chat. Je suis chaque fois. Ok. Ok, les portes de sortie sont apparues. Et bien, on va être... super peluche. Super tabouret. Aïe. Non, 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 super tabouret. Wow! Mais non! C'était un vil traître! Super épi était super traître! Aidez-moi! Non! Non, qui est là? Se jamais fier aux apparences. Je vais mourir comme... Ok. Oh non. Voilà. Très bien. Alors, donc, on incarne désormais un tueur dans Prop Night. On peut incarner ce qu'on veut. On peut se transformer en ce qu'on veut. L'imposteur a le même pouvoir que les survivants. Ce qui est hyper vénère. Ce qui est très vénère. Ok, c'est un pouvoir à niveau. Un endroit à niveau. Ok.
On peut remonter. Bien sûr, il faut connaître un peu. Allez, viens par là! Voilà. Tu crois que je t'ai pas vu? Ah non, oui. Où est-ce que je peux t'accrocher? Ah là. Parfait. Allez, viens. Je l'ai vu, hein. Allez, je te ramasse. Faut que je te pose quelque part. Genre en face, là. C'est bien, c'est en face. Ok. Allez, go. On va continuer. On va se déplacer en ayant la tronche d'un vase. Super méchant vase, c'est moi. Bonjour. Quelle horreur. Quelle horreur! Quelle horreur! On a un pouvoir équivalent de toute façon à ce des survivants. Ok. J'arrive. Je zoom. Allez. C'est quoi ce. C'est saut là, en étant un livre. Voilà! Un hit! Ah, c'est bien ça. Allez. Allez, très bien. L'imposteur de tous les méchants, c'est probablement le plus intéressant. Hein. Ça ressemble en bouteille. On semble pas tout à fait à côté. Voilà. Je sais pas si c'est le même que j'ai récupéré. Ok. N'empêche, on a toute la bande qui était là. Hein. T'échappais comment? En hauteur? Sans deck. Comment vous avez fait? Attendez, est-ce qu'on peut être un poulet? On va être un poulet! On va être super méchant poulet! Super mé... J'entends quelqu'un souffrir, hein, par là. Ah! Super méchant poulet arrive! On va pas à tunnel. Parce qu'on n'est pas... Dégueulasse! Super chaise! Et là pour vous détruire! Fichtre! Voilà, comme ça! Super chaise! N'en a pas fini avec vous! Non. Pas les lapins. Ok, bonjour.
Bien sûr, on va faire comme si, hein. Ok. On va transformer. Pourquoi il y a un endroit différent où j'apparais, je disparais. Bon, très bien. J'aurais dû, en vérité, totalement la poursuivre. J'aurais dû. Ok. Oh. D'objets. Se mettre ici. Cette valise. C'est super chelou. Ok. Pouvoir d'invisibilité donc chez les survivants. Ok, très bien. On sait pas qui il est. On va se mettre là. On va surveiller. Oh, ok. Il a bougé. On l'a entendu bouger. On a entendu bouger. Ok. Oh non. Ok. Ah, vu! Ah ah! Ce livre était trop faux! Où est-ce que je te pose? Moi, ok, bien tenté, bien tenté. Ok. Que genre le temps. Gros doute, hein. Mais où est-ce que je te pose, Sandek? Sandek, où est-ce que je te pose? Sandek! Je sais pas où te poser. Je ne sais pas. Non, non, je sais pas. Tu n'es pas une valise, Harry! Ah, ils vont finir de réparer tranquillement, hein. Ah, c'était loin, hein. Voilà. On y va en chaise. On va tranquillement en chaise. Ok. T'es vu? Nul. Kenneth m'échappe, ok. Pourquoi tu... J'ai pas compris pourquoi est-ce que tu m'échappais. Non. Non. Ok. La partie est tendue, il reste plus qu'un générateur à réparer. Oh, pour casser les générateurs qui sont en cours. Les générateurs sont assez proches les uns les autres. Oui, alors non. Bon, pas de tunnel. En vérité, on devrait tunnel. Hein.
On devrait tunnel. Ils sont trois, ils vont essayer de forcer. La porte s'en privée, hein. Vu. Ah! C'est chaud, hein, c'est chaud. Hein. Franchement, il y a un genre d'équipe naturelle qui se place qui est très étrange et qui en même temps pas mal. Et il y a des pouvoirs hein, de tueurs qui sont quand même un peu poussés. Ok. On va se dépêcher. Et il y a des objets aussi qui sont plus intéressants. À investir avec d'autres. On casse tout ce qui doit l'être. On y va en livre. Hop là! Ok, on apparaît en arrière. Ça gride! Il retourne en boîte. Ah! Quelle est donc cette sorcellerie? Il y avait une chaise là, hein? Ouais. Heureusement que je m'en suis souvenu. Non, ça gride, ça gride. Un peu looté. En ne bougeant pas. Non, d'un cucu. Je t'emmène en haut, je sais pas. Ça va servir à quelque chose, mais je fais ce que je peux. Ah, plus qu'un. J'arrive. Non, ça, là, t'as tenté un coup de poker, hein, mon gars. T'as tenté un coup de poker. Allez. Allez, allez. Pas besoin de se transformer là pour le coup. Oh, je t'ai vu! Je t'ai vu! Et on fait une John Cena! C'était quoi ça? C'était plutôt bien joué ça. Mais... On refait une John Cena! Cette course poursuite, mon gars. Trop drôle. Oh. Voilà. Voilà. Ah. Eh bien, c'était vraiment pas mal. C'était un peu tendu. Donc, c'est un jeu à niveau. Hein. On change d'expérience, on change de niveau, on évolue. On a aussi des éléments à mettre en avant, notamment les pouvoirs du tueur. On a du loot chez les survivants. On a aussi un... dans le jeu, on a un vocal. Donc on peut utiliser le vocal. Et on peut choisir le serveur. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment intéressant avec du potentiel. Il vient tout juste de sortir.